Le tuk-tuk est un taxi à trois roues. Angkor Thom, qui signifie la grande cité, était la cité royale construite par Jayavarman VII, roi bouddhiste de l'Empire Khmer à la fin du XIIe et au début du XIIIe. Chaque porte est surveillée par deux rangées de géants, 54 devas ou dieux à gauche et autant d'asuras ou démons à droite. Ils soutiennent les najas, des serpents polycéphales. Le Bayon est le temple d'État du roi Jayavarman VII. Il accueillait les images des différents dieux qui étaient alors vénérés dans l'Empire Khmer. On peut assimiler l'ensemble du monument à un temple-montagne car il représente aussi le mont Meru. Les tours du temple du Bayon portent sur leurs quatre faces des visages immenses au sourire énigmatique. Bas-relief avec des scènes de guerre ou des scènes de la vie quotidienne. La guerre avec les Khmer Rouges ont laissé des impacts de balles sur les temples. Le Phimeanakas, dans l'enceinte du palais royal, c'est le palais céleste où, selon la légende, le roi passait la première partie de chaque nuit avec la reine soleil.
Nous quittons Angkor Thom et son passé pour revenir dans le présent du Cambodge. Le passé d'Angkor nous rejoint vite sur le site de Taprom. Le temple fut construit par Javayarman VII et dédié à sa mère. Il a été laissé dans l'état où il a été découvert. Envahi par les racines géantes, le temple est engagé dans un lent combat avec la nature. Bante Samre signifie « la citadelle des Samres ». Il fut construit vers le milieu du XIIe siècle, probablement par les hauts dignitaires de Siriyawarman II. Agrandi au XIIIe siècle sous Jayawarman VIII, le temple est très peu visité. C'est un temple hindouiste dédié à Vishnu. Il réserve pourtant de nombreuses surprises comme ces superbes fausses portes, ces colonnettes aux fenêtres, ces extraordinaires frontons en très bon état de conservation. Nous quittons la citadelle des Samres et je vous convie à une danse des Apsaras, danseuses célestes.